Voici le guide complet des défis Récit Partie 4, l'illusionniste sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de lancer des objets typiques à Doomsday. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à Doomsday, donc juste ici sur le gameplay. Ensuite, vous allez devoir trouver des objets typiques. Donc les objets typiques, c'est des objets gris, voilà, comme l'arme que vous voyez en face de moi. Donc regardez, maintenant, si je prends mon arme et que je la jette, bah, ça va terminer le défi. Et normalement, j'ai juste à faire ça 5 fois pour terminer le défi. Et effectivement, ça fonctionne bien. Après, si vous avez de la difficulté à trouver une arme grise, normalement, vous ne devriez pas en avoir, mais au cas où vous auriez une difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est de tuer les bots qui se trouvent justement dans ce lieu-là. Parce que regardez, quand je vais les tuer, il va me donner directement son arme. Et son arme, en fait, c'est une rareté grise à chaque fois. Donc ça va vous permettre d'avoir un objet typique que vous allez pouvoir ramasser et lancer en illimité jusqu'à attendre de le faire 5 fois pour réaliser le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire moins de 10 secondes après avoir quitté une cachette. Donc pour réaliser ce défi, il faut savoir que ça fonctionne contre des bots, je viens de tester. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un gros buisson, comme vous pouvez le voir devant moi. Et ensuite, quitter ce gros buisson et dans les 10 secondes, infliger des dégâts à un adversaire. Après, ça fonctionne aussi contre des vrais joueurs. Et ça fonctionne aussi contre, si par exemple, vous trouvez des vraies cachettes, comme des bennes à ordures, etc. Donc pour vous aider à trouver des cachettes, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Et dès que vous avez trouvé une cachette et que vous avez trouvé un adversaire, bah vous n'avez plus qu'à vous y cacher et ensuite sortir. Et dans les 10 secondes après être sorti de votre cachette, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires ou aux bots. Et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de réveiller des personnes endoctrinées ou d'éliminer des partenaires recrutés. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'aller voir trois personnages qui sont endoctrinés. Donc il y en a un qui se trouve juste ici, à côté du raft. Donc voilà, il y a ce personnage-là. Je vais vous montrer l'emplacement des autres après. Donc regardez, vous allez près du personnage. Ensuite, vous parlez tout simplement avec lui. Et là, vous aurez réveillé un personnage endoctriné une fois. Et là, vous allez devoir le faire avec deux autres personnages. Donc en fait, les personnages endoctrinés, c'est tout simplement les personnes qui se sont laissées influencer par Dr. Doom. Donc ce sont tout simplement des personnages qui sont plus ou moins du côté obscur de la force, quoi, du mauvais côté. Alors par contre, si vous ne voulez pas voyager à travers la map pour aller chercher justement ces personnages endoctrinés, ce que vous pouvez faire, c'est d'éliminer des partenaires recrutés. Donc pour ce faire, vous avez juste à aller par exemple à Doomsday, ou alors au Raft, ou alors à Fatalis Château, au château de Fatalis. Et en fait, à ces emplacements-là, vous allez trouver des bots. Et si vous les éliminez, les bots, bah ce sera normalement ce sera compris comme des partenaires éliminés. Vous aurez juste à en éliminer 3. Après, si les bots ne sont pas compris comme des partenaires, peut-être que ce sera les boss qu'il faudra éliminer. Mais je pense plus que c'est les bots que vous allez devoir éliminer. Donc voilà, dès que vous en aurez éliminé 3, vous aurez terminé le défi. Alors par contre, si les boss sont uniquement compris comme partenaires, là, pour une question de rapidité, ce que je vous conseille, c'est vraiment de parler aux personnages pour les désendoctriner, quoi. Et le deuxième personnage que vous allez devoir désendoctriner se trouve juste ici en dessous de Nitrodrome. Donc voilà, c'est pile poids. Vous lui parlez et maintenant on va aller chercher le troisième. Et pour finir, le troisième, c'est Ecumus Fluo qui se trouve tout en bas de la map, donc juste ici à côté de Redlandry. Donc voilà, dès que vous aurez parlé à ces trois personnages-là ou que vous aurez tué trois partenaires recrutés, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des caméras de surveillance. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Doomsday. Et à cet emplacement-là, dans toutes les rues, vous avez des petites caméras que vous allez devoir détruire. Donc regardez, attendez, je vais prendre une arme. Ok, j'ai enfin réussi à trouver une arme. Et là, regardez, dans les rues, vous regardez sur les bâtiments et vous avez des caméras de sécurité. Donc regardez, là, il y en a une. Là, il y en a une. Alors ensuite, regardez, là, il y en a deux. Donc ça fait quatre. Et il faut en détruire cinq au total. Donc regardez, il y a une cinquième là-bas. Donc en vrai, il y en a quand même un peu partout. Donc je pense que, regardez, il y en a encore là-bas. Je pense que ça va pas trop être compliqué d'en trouver. Donc, vous avez juste à regarder sur le coin des bâtiments en hauteur et vous détruisez 5 caméras. Et dès que ce sera fait, bah, là, vous aurez terminé le défi. Alors, le prochain défi va vous demander de battre Mysterio. Donc toujours à Doomsday, vous allez devoir trouver le boss qui est juste ici. Et ensuite, vous allez devoir l'éliminer. Mais faites attention parce qu'à un moment donné, il va disparaître et réapparaître à 3. Et là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver le bon
Mysterio. Donc là, regardez, il y en a déjà deux. Et vous pouvez voir que quand je suis en train de tirer sur celui du milieu, sa vie du haut diminue en même temps. Donc ça veut dire que c'est le bon Mysterio. Donc quand vous tirez sur un Mysterio, vérifiez juste que ce soit le bon Mysterio en vérifiant si sa barre de vie en haut de l'écran diminue. Et si c'est le cas, ben vous avez juste à le focus. Et ensuite, quand vous aurez réussi à l'éliminer, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de peindre des graffitis dans Doomsday. Donc toujours au même emplacement que vous avez tué Mysterio. Là, vous allez devoir taguer des murs. Donc pour taguer les murs, vous avez juste à faire flèche du bas, donc les mottes, et vous taguez comme ceci. Et vous allez devoir faire 4 graffitis au total pour terminer le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de peindre un graffiti sur la statue centrale de Doomsday. Donc en plein milieu de Doomsday, vous montez juste ici sur la statue et là vous faites un graffiti. Et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Code créateur SC.